Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme prévu, je vais faire une vidéo sur StrongBlock. Je vais vous montrer, dans le fond, un peu la base, puis en général, plusieurs choses, mais pas comme très approfondi sur plusieurs sujets. Je vais revenir éventuellement dans d'autres vidéos sur des trucs que vous devez savoir. Alors là, je vais, dans le fond, pareil, vous montrer, comme d'habitude, le prix hein, du XRP. Faut pas oublier notre XRP. 62 cents 24 en baisse de 1,1, 1,4 milliards. Ça veut rien savoir. Les marchés, l'argent est disparu depuis le 19 mai. 1 trilliard de dollars. Ouais. OK. Faut attendre que les acteurs principaux du marché reviennent sur le marché. Simplement. Le gaz 50 JWEI. Pas un bon prix présentement pour faire des échanges, là. OK. Alors, sinon, Fiatlik, 51 perdants contre 12. Gagnant, qui est un spécial, SEN, qui est plus 12%. That's it. Pas beaucoup d'échanges. Entre 500 000 et 1 million là, d'échanges par minute. Bon, on changeait de browser parce que finalement, j'ai décidé de faire ça sur mon autre browser. Strong. StrongBlock. Alors, Strong, pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi, on va aller voir. Et pourquoi que je m'intéresse à ça et que j'ai construit des nodes. J'ai commencé avec 1, je suis rendu à 4. Et oui. Alors, on va aller voir c'est quoi exactement. Avant tout, le prix, 257, qui se maintient. Okay. Ça a déjà été dans les 300. Dernièrement, il a monté comme pour une 300 quarts. Il y a eu un creux ici avant les fêtes, là, dans les 30$ et moins. Là. Très bonne opportunité pour ceux qui savaient dans quoi ils s'embarquaient. Là. Dommage. Moi, j'ai embarqué hein, dans les 187, 205, 250. Là, j'ai comme 4 prix différents. OK? Alors, Strong, on va aller voir immédiatement c'est quoi. Okay, on va y aller avec la barre. J'essaie de faire ça facile pour que vous puissiez comprendre. Je vais traduire. Okay. StrongBlock. Créer facilement des nœuds de blockchain et en faisant ça, on gagne des récompenses. On est rendu à 49 751 nœuds. Ouais, c'est du nœud, hein? J'ai commencé, je pense qu'il y avait 46... 45, 46, moi j'ai commencé le 2 juillet. Alors, créez votre nœud maintenant, très, très, très rapide, très facile. Qu'est-ce que vous devez avoir pour créer votre nœud? C'est pas compliqué. De l'Ethereum et du Strong, c'est tout. Et un portefeuille MetaMask. Je le répète, l'Ethereum, du Strong, on voit aussi l'image là, et un portefeuille MetaMask, rien d'autre. Et quand vous créez un nœud, je vais vous montrer vite fait tantôt là à quoi ça ressemble. Okay? Alors, les nœuds, qu'est-ce que ça fait? Ça fournit des données de blockchain qui sont très importantes, hein, on s'entend. Puis ça, ça fait en sorte que il n'y a donc aucune raison de rester sans être récompensé. Alors, comme c'est marqué ici, les nœuds fournissent des données de blockchain cruciales, mais ne sont pas récompensés. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème? Ils ont permis de lancer des nœuds à la façon qu'ils ont conçu ça, conforme en quelques secondes, puis on peut recevoir des récompenses. Alors, habituellement, vous construisez un nœud, vous n'avez pas de récompense, mais avec eux, oui, ils savent comment faire pour que ça fonctionne. Ils ont une série d'NFT qu'on peut avoir, bronze, silver, gold, platinum. Bronze, sur leur site, on le voit plus, là. Je crois que c'est disponible sur OpenSea, mais attention d'être sûr qu'est-ce que vous faites. Moi, j'ai acheté sur leur site un silver. Okay. Ça, il y en a 1000. Des gold, il y en a 500 et des platinum, il y en a 50. Alors, je vous le dis, c'est 5 000$ ça. Ça ici, c'est de mémoire, je m'en souviens plus, gold. Puis ici, c'est 35 000$. Ça doit être entre les deux, là. OK. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de trucs. Ça, on reviendra sur une vidéo plus tard pour vous montrer qu'est-ce que ça fait puis pourquoi que vous devriez en avoir un. Leur partenaire, Pangea, DAO Maker, Bitcoin.com, avec... Roger Ver, qui est partenaire avec Sentinel ici, qui va être le prochain nœud qu'on va pouvoir construire sur StrongBlock. No joke. Alors vraiment, ça, c'est super de bonnes nouvelles. Il va se construire plein de nœuds sur StrongBlock. Plein, plein, plein. Okay? Polkadot, il y en a plein, plein, plein. Je vous montrerai des infographies. J'ai plein de fenêtres ici. Pour aujourd'hui, on va faire une vidéo de base. Okay? Et on va revenir sur des sujets pour vous montrer comment ça marche. Alors, quelqu'un qui veut créer un nœud, il va tout simplement créer un nœud en cliquant ici, comme ça. OK. Ça va être connecté à votre portefeuille.
Là, vous voyez, mon portefeuille est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre nœud. OK, mettons, comme dans mon cas, moi, comme ça. C'est votre premier nœud, tout. Vous devez avoir 10 strong, OK, dans votre portefeuille MetaMask. Fait qu'avant, vous avez été sur Uniswap. Et pourquoi Uniswap? Ben, tout simplement parce que c'est lui le plus populaire présentement, là, qui est Uniswap. Ouais, ça coûte des frais. Oui, c'est plate. Oui, c'est sur Ethereum. Que voulez-vous? C'est comme ça que ça marche. On peut pas tout avoir dans la vie. Puis, bon, ils ont pas construit sur Flare. Ça veut pas dire qu'ils seront pas sur Flare un jour. On sait pas qu'est-ce qui l'avenir nous réserve. Gate.io, KuCoin.com, c'est les majeures places à acheter. Alors, vous créez un nœud tout simplement en faisant ça. Le nom, la description, vous devez avoir 10% de 10%. Vous devez avoir 10 strong pour créer un nœud, OK? Simple. 10 strong plus de l'Ethereum pour payer les frais. Les frais sont de 14,95 par mois. Bon, c'est 15 $ par mois que vous devez payer à chaque mois pour que votre nœud continue à vivre. Vous avez 10 nœuds, ben, vous payez 150 par mois, OK? Et sur les 10 strong que vous dépensez pour avoir votre nœud, 10% va pour une utilisation future, 10% s'en va dans un pool, parce qu'il y a comme aussi une possibilité de miner dans le pool Strong Ethereum et Link Ethereum pour des récompenses. Il y a lui comme pool, il y a lui ou le pool Strong, là, c'est pas super payant, mais c'est une idée. 20% va dans le pool Strong, OK? Alors, un, c'est Strong Ethereum, l'autre Link Ethereum, Link Strong et l'autre Strong Pool. Il y a trois pools différents, là, qui est 10% dans les deux-là, 20% dans lui, et 60% dans le pool de récompenses des nœuds. Fait que nous, quand on reçoit notre récompense, on a, ça vient ici de 60%. En fait, j'ai compris, on fait soumettre, et ça fait comme ceci. Ça fait une fenêtre comme ça, et là, on peut voir que je possède 4 nœuds, dont un NFT que j'ai mis sur 2 nodes différentes. Je sais que ça peut paraître très compliqué pour quelqu'un qui tombe sur ma vidéo, puis qui dit de quoi qu'il parle, les nœuds. Mais écoutez, hein, j'ai fait mes devoirs, puis c'est sûr que je connais dans le fond mon sujet. Mais l'expliquer de façon simple, je vais essayer. C'est pas évident de parler de façon super simple. Mais je veux juste faire un ensemble de tout ce que je veux vous montrer, mais sans approfondir quoi que ce soit. OK? Ça va paraître bizarre que je parle pas d'un truc en profondeur, mais on va revenir dans d'autres vidéos dans le futur. Bon, vous êtes récompensé 0,10 strong à chaque fois qu'il y a 7000 blocs qui se créent sur Ethereum. Présentement, Ethereum, là, on décolle ici, c'est 2015. Là, on est en 2021. C'est environ 6400 la moyenne. Vous voyez le chiffre, là? 6400, 6500, 6000. C'est 6400 la moyenne de blocs sur 24 heures. Eux, ils ont dit qu'ils vous récompensent 0.10 strong par 7000 blocs qui est créé sur la blockchain. Alors, c'est 6400. Alors, ça prend 29 heures pour avoir une récompense de 0.10. En gros, là, c'est pas 24 heures, c'est 29 heures. OK? C'est ce qu'a concret un nœud. C'est aussi simple que ça. C'est pas 30 minutes, là. C'est fou, là. C'est fou de voir ça. Ça prend environ 5 minutes. Juste avoir les fonds dans son compte MetaMask. Merci, bonjour. Et les frais Ethereum. Ensuite, quoi de neuf? Je vais vous défiler ça pour vous donner une grosse aperçu. Maintenant, c'est rendu sur BitTrue depuis aujourd'hui. Alors, vous pouvez acheter du Strong sur BitTrue. Et regardez, le prix aujourd'hui, il a commencé. Il a ouvert à 239. Il a monté jusqu'à 400 $. Mais le vrai prix du Strong présentement, hein, on le sait, c'est 257 à l'heure où ce qu'on se parle. Alors, bon, ça, c'est du trading, mais quand ça décolle, ça part en fou, là, OK? Mais le vrai prix, c'est 257 $. OK? Attendez-moi un petit instant. OK? Parce que je suis en train de faire ça à travers deux bains avec les enfants, là. Puis, j'en ai profité, mais finalement, ça a été plus vite que prévu. Pour les bains, puis je me fais un petit peu prendre dans mon propre jeu, là. OK? Alors, sur BitTrue. Les nœuds, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a comme nœuds que vous connaissez peut-être et qu'est-ce que ça donne comme récompense. Les nœuds strong, vous voyez présentement, hein, c'est dans les 2600 $, là, pour avoir un nœud. Si on regarde, là, on fait fois 10, là, 2570. Alors, on peut voir qu'un nœud strong à 260, ça vous coûte 2600, vous faites fois 10, là. Le retour, c'est pas compliqué, c'est 0.10. Mais exactement, c'est 0.09 parce que je vous ai dit que c'est 29 heures pour avoir 0.10 et non 24 heures. Alors, le gars qui a fait l'infographie ici, qui s'appelle The Node Catcher, que vous devriez absolument aller suivre sur Twitter. Très sympathique, monsieur. Ici,
un vétéran là, retraité qui est puis vraiment, vraiment cool. J'ai une bonne relation avec. C'est lui qui fait un peu qu'est-ce que Stedas il fait avec nous, avec Ripple puis XRP, l'infographie. C'est ce qu'il fait, lui. Alors, il va devenir comme la sommité là-dedans. Alors, le retour pour Strong. OK? Vous le voyez, 24$ par jour. Gala, ça vous coûte 11 350 maintenant. On s'entend qu'un nœud gala, ça coûtait 3 000 quand ça a commencé. J'ai pas embarqué, je regrette. Mais ça donne juste 7$ par jour. Pack, OK? Pour 3 128$, un nœud, ça vous donne 1,65 par jour parce que le prix à date, il est pas bon. OK? Faut leur laisser du temps, c'est partenaire avec Flair maintenant. DAG, ça vous coûte 42 000. On n'a aucune idée combien qu'il y a comme retour. XDC, une fortune, c'est quasiment 1 000 000$ pour 200$ par jour. Je suis désolé, ça vaut pas la peine. Je sais pas pourquoi que le monde achète d'ailleurs des nœuds XDC. DFI, ben parce que sûrement que le prix va coûter plus cher, là. T'sais, on s'entend que 0,08, c'est pas le bon prix du XDC. Ça va coûter une fortune aussi plus tard, ça. DFI, pour 42 096$ par jour. Theta, 5 400$, c'est pas le prix. SRX, je connais pas vraiment. Ça coûte entre soit 1 à 250 ou 253 000 pour 41$, en tout cas. Puis Divi ici, ça coûte 4 400$ pour 2$. Alors, qui est le grand gagnant? C'est Strong pour... Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je vous montre des graphiques vite fait. Ici, c'est top des projets par rapport à qu'est-ce qui est brûlé comme jeton et barré comme barré dans les projets qui valent entre 30 à 50 millions de dollars. Alors, Strong se ramasse ici. On peut voir circulation supply 138 000, total supply 524 000, max supply 529 000 et le cap est de 36,2 millions. D'accord? On peut voir les autres concurrents. OK. Ensuite, ici, top performance token. On peut voir que Strong est très bon depuis les dernières 24 heures. Ça date de quel jour déjà ça, cette infographie-là? Je ne me souviens pas. Attendez, je viens de regarder. Ça date du 13 juillet. Okay. C'est quand même assez à jour, là. Alors, top performer, ici, ben 12% avec Strong, d'accord? Je fais un compte-rendu pour vous donner un petit peu que le meilleur de tout ce que j'ai trouvé en peu de temps. Strong Tether, en volume ici, 431 000 de volume en 24 heures pour 238 le prix. Là, ça, c'était une nouvelle qui date du 12. Okay, je vous montre, c'est justement lui, le de Nodecatcher, que vous devez suivre absolument. Un vétéran du USCF, musicien, artiste digital, photographie, vidéographe, puis un node holder. Vraiment, il sait de quoi il parle. Ici, top 11 stable gainers en 3 mois les performances. On peut voir Strong ici, qui est quand même pas pire depuis 3 mois. Hein. Regardez les performances, 36%, ce qui est très, très bon. OK. Ensuite, les plus gros clients de Strongblock, c'est qui? Pangea Blockchain. Allez voir c'est quoi. MagneticBitcoin.com avec Roger Ver, dans les premiers investisseurs de Bitcoin, qui est partenaire avec Sentinel, qui va être le prochain nœud qui va être construit sur Strongblock. Je vous le dis d'avance, c'est un insight. Ici, ça, on reviendra à ça éventuellement. Je vais grossir toute l'image. Je vais vous montrer les questions. Comment créer ici un NFT. Là, je vous l'ai montré vite fait, mais plus en détail. Okay, c'est toutes les infographies qui fait ça, le gars que je viens de vous montrer tantôt. Là. Ici, on peut voir une infographie que je ne vais pas parler aujourd'hui, mais juste pour vous montrer Strongblock. Ils vont être très, très bien implantés là avec des gros partenaires. Okay. Ensuite, le futur, ça va ressembler à ça. Strongblock avec tout ce que vous voyez ici, les nœuds qui vont se construire. Comme par exemple, ça, c'est Sentinel. Ça ressemble un petit peu au logo de Strongblock, on dirait là. Strongblock, c'est ça. Basé sur Ethereum, Strongblock, le prochain client qui va construire un nœud. En 2 minutes, là, pareil, là. Plus besoin d'avoir des trucs compliqués, là, puis de savoir aller sur GitHub, puis du programmage, puis du codage, là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est les dinosaures qui enseignent ça, là. Il faut arrêter de penser que on peut pas faire de l'argent facile. C'est faux. On peut faire de l'argent facile si on suit les bonnes personnes et qu'on sait comment faire. Il y a Polkadot qui va être là. Binance Smart Chain, Flow, Tezos. Il y a plein que vous connaissez, là, là-dedans, les logos. D'accord? Ensuite, autrement dit, tous tes projets-là vont tout être construits sur Ethereum, sur Strongblock. D'accord? DVPN, c'est justement ça là, que je suis en train de moi accumuler du Sentinel, qui est un VPN, hein, un Virtual Private Network, mais décentralisé. Vraiment, vraiment un projet de ouf. Ça, ils ont déjà 300 000 clients DVPN pour
tout qu'est-ce qui est des applications qu'on peut trouver. OK, je reviens immédiatement. Alors, ils ont 300 000 clients. Si vous allez sur l'application, là, je ne sais pas si c'est Google Play ou App Store, je ne sais plus lequel des deux, là, ils ont déjà ça, là, Sentinel, 300 000 téléchargements. Et ils vont être avec Strong. Et on pourra construire un protocole Strong. Un protocole DVPN qui est Sentinel sur Strong. Alors, c'est quoi? Je vais m'embarquer dans ça et dans tous les futurs projets des deux. Pour des revenus massifs. Ça, c'est les gens qui sont derrière la compagnie. Okay? David Moss, CEO. Thomas Cox, principal governance advisor, CTO. On voit ici Roger Ver, là, font CEO Bitcoin.com, là, avec les Williams Duplessis de Pangea. Même affaire pour James Duplessis ici, qui est vraiment à suivre de près cette gang-là qui sont, lui, là, de Block One. Là, tout, mettons, vous connaissez tout ça ici, Block One. Et un point comme, là, Block One, ça ici, là. Ils ont passé par là, eux, avant, là. Okay, mais ils ont un parcours plutôt intéressant. Toutes les gens qui sont dans l'infrastructure de Stromblock ici, ils ont tout que parcours. Lui, son CV, on pourra le voir une prochaine fois, là. Okay. Ensuite, je vous montre juste vite. Okay. Qu'est-ce que c'est, en gros, pour vous donner un aperçu? Là, on voit ici les NFT, bronze, silver, gold, platinum. On voit qu'on a des récompenses supplémentaires quand on achète un NFT. Et en plus d'avoir des récompenses supplémentaires, un silver, on peut l'appliquer sur 2 nodes, ici sur 5 nodes, et ici, platinum sur 10 nodes. Alors moi, j'ai appliqué ici mes 2 nodes, qu'en réalité, c'est 0.03 vous avez. Mais on multiplie par 2 parce qu'on peut en avoir, on peut l'appliquer sur 2, alors ça fait 0.06. 0.06 que j'ai appliqué sur 2 nœuds différents. On voit, silver ici, 2 nodes. Alors j'ai appliqué 2 fois 0.03, ce qui fait 0.06. Alors, j'ai ça de plus selon le prix ici de 257$ par jour. OK? OK. Ça ici, on voit tous les avantages, là. Ceux qui vont avoir un NFT, je vous le dis d'avance, ils vont avoir la chance de pouvoir continuer à avoir des nœuds Stromblock. Ceux qui n'auront pas de NFT, ils pourront plus construire de nœuds Stromblock, mais ils vont toujours avoir leur récompense de 0.10. Qu'en passant, 0.10 n'est pas garanti, peut devenir 0.05. Au début, c'était 0.2. Ils ont fait un halving, là, un peu qu'on pourrait dire. C'est devenu à 0.10. Ça pourrait très, très bien devenir 0.05 si le prix du Stromblock augmente dans les 4, 5, 6, 7, 800$, 1000$. Alors, les gens qui se plaignent qu'il va avoir le prix coupé en deux, arrêtez de vous plaindre, là. Qui vous donne comme ça de l'argent facile? OK? Alors ça, il y en a 1000, des silver, 500, gold et platinum, juste 100. Et ça se remplit plutôt vite, regardez bien. Si on regarde les NFT, comment que ça se remplit vite. Il y en a, là on le verra pas ici. Attendez un petit instant que je vous montre. $179 de 1000 pour des silver. Ensuite, ici, 38 de 500 pour des gold. Et ici, 72 de 100 pour des platinum. Alors, ça va vite. En ayant ça, vous allez avoir plein de trucs que vous pourrez pas avoir si vous en avez pas. On rentrera en détail aussi plus spécifiquement. Un NFT, c'est un ERC-1155, là. C'est comme ça que ça s'appelle, là. Récompense améliorée, plusieurs nœuds par portefeuille, accès anticipé aux nouveaux nœuds et pools, après exclusif certaines fonctionnalités. Selon le numéro de série, apparemment, c'est le rapport. Plus on rentre tôt, mieux c'est. Airdrop et concours, OK. Tout ça, ça a des avantages, je vous le dis. C'est un truc à penser, à avoir, à tout prix. Je m'en ai procuré un hier. That's it. OK. Puis tout ça, on reverra ça dans d'autres vidéos plus tard. Les questions les plus posées, ça ici, c'est une infographie. On reviendra aussi en détail là-dessus. Là. En gros, là, je vais la grossir. Là. Je vais vous montrer de quoi ça il s'agit. N'oubliez pas, 60% de toutes les gens qui achètent du Strong et dans le pool du nœud Strong. 20% dans le pool Strong, 10% dans deux autres pools et 10% pour l'utilisation future. Alors, retenez que 60% de tout ce que les gens achètent ici, là, quand ils achètent pour $2,576, mettons en date d'aujourd'hui maintenant, là, là-dessus, il y a 60% de cet argent-là qui s'en va dans le pool de nœud Strong. Ben, nœud, excusez-moi, les récompenses du pool
du nœud. Okay? Pas nécessairement la récompense du pull strong, c'est pas pareil, c'est 20%. Alors 60% de ça ici, ça s'en va pour ceux comme moi qui détiennent un nœud. D'accord? Ça, c'est qu'est-ce que je vous ai montré tantôt, là? Les blocs sur Ethereum, en moyenne, présentement, c'est 6400 blocs par 24 heures. OK? Nous, c'est à chaque 7000 blocs qu'on a une récompense de 0.10. Mais ça prend 29 heures. Alors, à chaque 29 heures, vous avez 0.10% du prix ici. Fois un nœud, fois deux nœuds, fois trois nœuds, fois quatre nœuds. En passant, vous pouvez avoir, comme vous pouvez voir, 200 nœuds maximum. J'en ai 4 sur 200. J'espère que je vais pouvoir m'en procurer quelque chose comme 50, c'est mon objectif. Eh oui, Cryptoly a des gros objectifs parce qu'il a une famille et il veut s'en sortir. Ensuite, pour finir bientôt, ça c'est en direct, là, Etherscan. On peut voir qu'en date d'aujourd'hui, 11 juillet, 12, c'est pas à jour. Attendez une seconde. Moi, je fais pour voir la date d'aujourd'hui. Vous voyez, là, c'est environ 6400 nœuds par 24 heures. Les NFT, j'en ai parlé, pas besoin. Et ça ici, ben là, je peux pas jouer encore avec parce que je dois faire une copie et l'éditer pour savoir comment que ça rapporte selon le nombre de taxes, selon, exemple, quelqu'un qui a 15 nœuds, ça rapporte 121 000 par année. Okay. Là, on va pas rentrer en détail là-dedans, c'est plutôt compliqué. Alors, that's it pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire une vidéo pour vous montrer que il y a d'autres choses qui existent temporairement, que les marchés sont en train de faire du n'importe quoi, qui font rien. J'espère que vous avez apprécié. Cryptoly, le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto-monnaie, XRP, qui est mon préféré, vous savez, et qui commence sérieusement à s'intéresser de plus en plus aux nœuds. Et la DeFi, qui est l'avenir, je vous le dis, la DeFi, si vous avez l'idée de partir une chaîne YouTube, faites ça sur la DeFi. C'est sûr et certain que vous allez avoir un succès. Merci beaucoup. Au revoir.